Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie, Marcia. Bonjour tout le monde et bon jeudi. Ça va être l'Action de grâce dans quelques jours. Et moi, j'aime beaucoup qu'on se questionne. J'aime me questionner à savoir qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de dire merci. Quand il y a des situations qui me plaisent moins, c'est sûr que je n'ai pas envie de dire hey, « merci, merci la vie pour avoir vécu telle situation ». Et souvent, et j'ai beaucoup lu à ce sujet-là, et il y a un psychanalyste qui s'appelle Jacques Arène qui a écrit un livre extraordinaire. Et il y a Jacques Salomé aussi qui parle beaucoup de ça, de ce sujet-là. L'auto-sabotage. Savez-vous ce que c'est que l'auto-sabotage? C'est que soi-même, on aura des comportements, des conduites ou des habitudes qui vont nous mener à ne pas connaître le succès ou à ne pas connaître la réussite véritable. Donc, quand on s'en va pour vivre quelque chose qui nous ferait dire merci, quelque chose qui est de l'ordre d'un souhait ou d'un désir qu'on a depuis longtemps, il arrive, et c'est très fréquent, c'est peut-être votre cas, moi ça a été longtemps mon cas, qu'on se sabote. On s'auto-sabote, on va faire quelque chose qui va mettre en péril notre beau projet. Et souvent, c'est inconscient. On ne se lève pas le matin en disant « Ouais, moi, ça ne me tente pas tant que ça de vivre cette belle chose-là. » Mais on va avoir des mécanismes qui vont faire en sorte que le projet va être saboté ou la relation va être sabotée. En amour, on vit ça des fois. On commence une nouvelle relation, puis c'est vraiment une personne extraordinaire. Puis là, on va y trouver des défauts. Ou on va se dire « Ah non, 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 non ». Mais pourquoi? Parce qu'on se sabote, on s'auto-sabote. On se dit « Je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas digne d'être aimée, j'ai peur d'avoir mal ». Et ce psychanalyste-là, qui s'appelle Jacques Arène, a dit, et j'ai noté la phrase, je trouve ça bien intéressant, il a dit « Parfois, il peut être bon de se rappeler que la vie ne resserre pas les plats. » En voulant dire qu'il y a des opportunités qui ne repassent plus. Alors, si on est occupé à voir ces opportunités-là que la vie nous présente, à les voir avec la lorgnette de l'auto-sabotage, eh bien, c'est bien dommage à dire, mais peut-être qu'on n'aura plus la chance de s'engager dans ce courant-là qui nous aurait mené à un succès ou à une satisfaction parce qu'on s'est auto-saboté. Fait que pensez à ça. Parfois, il est bon de se rappeler que la vie ne resserre pas les plats. Donc, si vous rencontrez une personne vraiment avec qui vous pourriez faire un bon bout de chemin, amoureusement parlant, mais que vous vous auto-sabotez, bien, c'est très dommage, mais peut-être que la vie ne vous représentera pas une personne aussi adéquate pour vivre une relation significative, une relation où vous allez évoluer. Donc, juste quelques jours avant l'Action de grâce, de se souvenir de ça, de se rappeler de ça, qu'on a le droit de dire merci pour les belles choses qui nous arrivent, mais pour cela, il faut laisser les belles choses venir à nous et ne pas s'auto-saboter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charron. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. En quoi?
compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours à la salle Maurice Aubrédé de Sherbrooke où aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui a eu lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le thème qu'il avait choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». C'est tellement rempli d'espérance. Vous connaissez la profondeur du père Michel-Marie. Et là, je veux répondre à une petite question. Il y a des gens qui disaient, ceux qui étaient au sanctuaire, que le son n'était pas parfait. Vous savez que dans les sanctuaires, ces places-là, souvent, le son est assez difficile à cause de l'écho, mais nous, on avait prévu le coup. On avait mis un petit micro-cravate, comme j'ai ici, sur le père Michel-Marie. Donc, évidemment, le son est impeccable. Vous allez être très content. C'est comme si vous étiez seul à seul avec lui. Alors, faites-vous ce beau cadeau-là et aussi, donnez-le en cadeau parce que c'est un message qui est tellement rempli d'espérance et vous connaissez le talent extraordinaire du bon père Michel-Marie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Vous allez voir l'Évangile d'aujourd'hui. En fait, comme à tous les jours, l'Évangile d'aujourd'hui est porteur d'un message vraiment de toute beauté, un message qui va, je pense, vous aider à passer une meilleure journée. Donc, on va y réfléchir sur le fait que vraiment Dieu est un Dieu généreux qui s'attend à ce qu'on lui demande des choses dans la prière. Donc, ce même Dieu qui est Esprit Saint, qui a inspiré la parole de Dieu, on peut le prier pour qu'il vienne dans nos cœurs, qu'il dilate nos intelligences afin que nous recevions sa parole, voilà, avec, j'allais dire, tout le soin, avec tout l'amour qu'elle mérite. Jésus disait à ses disciples, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Ici, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien, moi, dit Jésus, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il faut. Eh bien, moi, je vous le dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, je vous l'avais promis, hein, que l'Évangile d'aujourd'hui, il vous toucherait. Au fond, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, par contraste, j'allais dire, une certaine opposition. Ça parle de la prière, ça parle de la demande et ça parle surtout d'une relation. Et ce texte-là nous révèle finalement un Dieu dont le cœur est réjoui, le cœur est content lorsqu'il donne à ses enfants.
Donc, Jésus essaie d'expliquer un peu, en comparant les êtres humains à Dieu, j'allais dire, comment Dieu se réjouit à donner. Donc, la parabole nous présente un ami qui est importuné parce qu'un autre ami cogne chez lui, comme ça peut nous arriver, nous, hein? En plein milieu de la nuit, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Peut-être moins dans le contexte moderne, mais en tout cas dans le contexte de village de l'ancien temps. Et là, évidemment, même si c'est un ami, ça nous dérange. Et notre premier réflexe, c'est comme « Ah, laisse-moi dormir! Laisse-moi dormir! » Combien de fois j'ai vécu ça? Quand les enfants, pendant la nuit, des fois, nous demandaient des trucs. « Ah, même si c'est ton enfant! » Mais Jésus ajoute, à cause de son sans-gêne, à un moment donné, à force de, voilà, d'être dérangé, l'autre insiste, bien là, voyez, c'est comme on retrouve nos sens. Puis on a en nous cette capacité de donner. Et donner nous rend heureux. Puis somme toute, même si, entre guillemets, dit Jésus, on est mauvais, on n'est pas que mauvais, mais on a un côté porté à l'égoïsme, on va finir par amitié, par amour, à répondre à la demande de cet ami, d'autant que c'est un besoin vital. Là, on ne parle pas « s'il te plaît, prête-moi ton PlayStation, un jeu vidéo ». Non, c'est « donne-moi du pain ». Je n'ai pas de quoi nourrir un besoin vital, la personne qui vient d'arriver chez moi. Là, Jésus va insister sur le fait que « moi, je parle et moi, je vous dis ». À chaque fois que Jésus s'adresse comme ça, on peut dire « c'est Dieu qui parle ». C'est Jésus en tant que Dieu. C'est Jésus, Dieu le Fils, qui parle. « Moi, je vous dis, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Donc, voyez le contraste. Quand tu importunes ton ami dans le milieu de la nuit, autrement dit, les autres êtres humains, c'est pas sûr qu'ils vont t'ouvrir. Ils vont peut-être t'ouvrir avec un petit délai, puis bon, ils vont, parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils sont généreux, ils vont peut-être finir par t'ouvrir. Avec Dieu, c'est pas ça. C'est comme, c'est affirmatif. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Jésus fait une promesse, c'est solennel. Jésus engage Dieu. Jésus s'engage lui-même. Et là, attention, il y a une nuance. Si tu demandes à Dieu des niaiseries, « Dieu, donne-moi une promotion au travail. Dieu, fais-moi gagner la loto 649. Dieu, fais-moi... » Voilà, toutes ces choses. On s'attache aux choses qui, pour Dieu, n'ont pas la même valeur que nous, parce que Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander une nouvelle job, une promotion, une plus belle voiture. Si Dieu vous l'accorder, tant mieux pour vous. Mais Jésus insiste, regardez la finale. Et si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants qui vous les demandent, combien Dieu donnera-t-il l'Esprit Saint? Pas Dieu donnera une nouvelle voiture à ceux qui le demandent. Dieu, parce qu'il nous aime infiniment, va nous donner ce dont nous avons le plus besoin. Okay? Donc, je répète, Dieu, parce qu'il nous aime infiniment, parce que le bonheur de Dieu, c'est de nous donner. Hein? Mettez-vous dans une situation où vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes un ami. Vous allez chercher, parce que vous aimez quelqu'un, à lui donner ce qui va être de plus utile pour cette personne-là. D'accord? Et Dieu sait que nous, ce qui nous est le plus utile, c'est l'Esprit Saint et les dons qui viennent avec, les grâces spirituelles. Donc, demandons à Dieu qui nous aime et qui donne de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas de réserver rapidement vos billets pour le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Il y a des gens qui se disent « Hey, c'est loin, c'est au mois de juin 2020 ». Mais si vous saviez comment, il y a beaucoup de billets déjà de réservés. Alors, si vous êtes sûr que vous allez venir, réservez rapidement, parce que plus vous réservez rapidement, plus vous allez être en avant, bien entendu. Mais je vous rassure, à la salle Maurice Aubrédé, on voit bien de partout, c'est une salle absolument magnifique. À demain. Bye. Puis on n'avait jamais été réunis ensemble depuis tellement d'années à Noël. Là, on était mon père qui était sobre, mon frère, ma mère.